Salut à tous et bienvenue dans l'épisode suivant de Infable Second Son. Ah non, c'est First Light. Merde. Ah mon dieu, je me suis encore trompé. donc voilà, donc on est censé rejoindre le lieu des champs dans l'immeuble. Mais ça me paraît beaucoup trop simple. Brent, je suis désolé ma belle, mais le DUP se rapproche dangereusement. Maintenant que j'ai le commissaire de police dans la poche. Joli petit poulet. Du gaz toxique. Ça lâche. Bah j'avais pas trop le choix. C'est pas comme si te tirer dessus était efficace. Quand je sortirai d'ici. Je sais, poupée. C'est pour ça que je vais m'assurer que ça n'arrive pas. Tu comprends? Bon. Chaque fois que je sentais monter la panique, je me concentrais sur Brent. C'était la seule chose qui pouvait me calmer. Je me raccrochais à un bon souvenir. Brent savait que si on quittait pas la ville, je m'en sortirais jamais. Il s'est mis à prendre des risques pour se faire du fric. J'ai bien l'effet néon qu'il y a autour des personnages. Il voulait acheter un bateau et passer au Canada. Je lui ai dit que c'était dingue. Mais quand je l'ai vu rentrer avec des dents en moins, je me suis reprise. J'ai voulu raccrocher. Il m'a soutenue pendant ce calvaire. Je lui dois tout. C'est mon frère. Je l'aime. Et rien ne pouvait m'arrêter. Oh, je crois qu'elle n'est pas contente. Shane avait Brent. Sans un accord, comment je pouvais le récupérer? Comment avez-vous pu vous échapper du tunnel? Auriez-vous développé un autre pouvoir suite à votre crise de panique? Oui, oui, je vous ai fait des cachotteries. Encore. Ok, je vais vous le montrer. Amenez-moi quelques types. Je kiffe ça. Impressionnant. Mais pourquoi me montrer ça maintenant? Cet entraînement, il fonctionne. Je me sens bien. Donnez-moi un truc plus costaud. Ok, mademoiselle. Suivez les lignes jaunes. Restez au milieu du hall. Vous semblez avoir quelques démons personnels. Le porteur qui crée les hologrammes de combat est obnubilé par un jeu vidéo sur les démons. Je n'aime pas trop l'esthétique. Mais leur potentiel formateur est indéniable. Ils vous pousseront dans vos retranchements. Les 20 démons. Nous sommes des porteurs qui vivons dans un monde avec eux ou nous. Et nous devons nous défendre. Oh, je kiffe. Vague 3, on approche. Il est où? Ah. Voilà. Ouah, c'était quoi ça? Vague 5. Hop, c'est moi. Ces créatures n'existent pas, mais la satisfaction que vous ressentez en les tuant est bien réelle. Pensez à Shane. Canalisez votre haine pour gagner en puissance. Ouais, j'aimerais bien. Du vent. Oh, les anges. Ça rappelle de bons souvenirs. Et où? Ouah.
j'ai pas mis ses mains. C'est ça. La rage vous permet de contrôler votre environnement. Nous sommes des porteurs. Le monde se fie à notre volonté. Excellent. Tuez-les tous. La nature vous a doté de ses pouvoirs. Ne reniez pas qui vous êtes. Vague 10 en approche. À mourir, à mourir. Bien joué. Vous y avez pris du plaisir, semble-t-il. Laissez-vous porter et libérez votre potentiel. De quoi vous êtes capable? Les porteurs qui peuvent tourner le dos à leur passé ont bel et bien un avenir. Alors dites-moi comment se termine votre récit. Donc on entame la dernière partie. Shane voulait ma peau. J'étais au pied du mur. Je devais attaquer de front. Ah bah oui, forcément. C'est que je savais pas où étaient Shane et Brent. 2 ans plus tôt. Elle est morte? J'espère que oui. Tire-lui encore un peu dessus. Tu sais, juste pour être sûr. Raté. Où est Brent? Oh, bah, c'était à l'intérieur. Hop. Ces types vont bien venir par se parler. Oh, un casque. Oh, oh, comme par hasard. Aucun signe de Walker? Non, Shane a assuré. Avec tout le matos dans les camions, elle nous trouvera jamais. Shane rappliquera illico si je brûle la drogue dans les camions. Il n'y a plus qu'à les trouver. Eh ben, allez. Ça va m'aider. Ça passe forcément, ça passe en verre. Qu'est-ce que... Salut les camions. Faites attention. Hop, alors, cela, ça se fait... On n'en parle plus. J'aime bien. Salut, boss. Fetch. Quelle surprise. Discutons. Oh, j'en ai ma claque de discuter. Si tu veux parler, parle à tes drogues qui traînent sur le trottoir. Tant pis. Et si... Bye, chérie. Attends, raccroche pas, c'est un coup de feu. Jimmy, allez, mec. Dans la poubelle, allez hop. C'est ton Steven, toi? T'as quel camion? Putain, grand, ok. Comment ça m'y fait, en fait, à cette histoire de tag? Là-bas. C'est qui? Écoute, sale garce, tu détruis encore un camion et Brent t'ouvre une main. Compris? T'as pas intérêt.
Non ? Teste-moi. Qu'est-ce que tu crois ? Sans lui, t'as aucune, absolument aucune protection de ma part. Tu peux pas te permettre qu'il ait le moindre rhume. Continue à détruire ma propriété, et tu le regretteras. Oups! J'ai détruit ta marchandise. Oh. Oh, il y a encore un. Pas grand canon. Oh, il y a encore un truc par là. Ok. Oh, tapez ta souris. Ça va laisser des traces. On va être obligé de monter. Où sont les antennes relais? Là. Allez, c'est juste une fille! Une fille! Envoie-nous cette garce, on va s'en occuper. Ouf, ils sont super longs en fait. Hop, on tag le camion. On est à 12 minutes. D'accord. On dirait que t'as perdu une cargaison, champion. Pourquoi tu fais ça? Rends-moi Bren et j'arrête tout. Oh non, 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 non. Tu vas te livrer au début et je libère. Parole de scout. Désolé. Hop. Désolé pour toi. C'est bon, je viens de le faire traverser là, littéralement. Ouais, je l'ai littéralement traversé. Ah, oh, mais c'est pas vrai. Espèce de... Faites Walker, vous êtes en état d'arrestation. Va te faire foutre. Tu disais ? Ah, mais il y en a encore. Dégage. Tu vois pas que je suis occupé à péter de la drogue. Raté. Dernier. Hop. Désolé cher ami, je tag un camion. Permettez. Et après ça, j'arrête l'épisode avant d'arriver. Voilà. Oh, il est mignon celui-là. Oh là là. Je crois qu'il est pas content. Je crois qu'il va râler. Bonjour, j'ai besoin de drogue. Oh mince, t'en as plus. Mais te traque, ils savent que t'en as après ma cargaison. T'as plus qu'à fuir. Ils aimeraient sûrement savoir ce que contient ta cargaison. Il me semble que c'est un crime fédéral. Ils s'en foutent de moi. Ce qui les intéresse, ce sont les monstres. Et la cible, je suis qu'un citoyen serviable. Ouais, je suis sûr qu'ils changeront d'avis quand ils auront ce qu'ils veulent. Bon, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Allô, et on se retrouve sur le prochain épisode de Infamous. Allez, ciao ciao.